quoi, donc t'as vraiment pas d'idée pour ton après pro? Non, franchement, là, je sais pas, j'ai réfléchi. Ah, tiens, si, j'ai peut-être une idée. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, en fait, on souhaite Noël aux gens, joyeux Noël, mais en fait, vu que c'est pas Noël, ben on recommence la vidéo. Non, non, c'est pas possible, tu l'as déjà faite pour le jour de l'an, celle-là. Ah ouais, merde. Ah tiens, sinon, ce qu'on peut faire, c'est... Au début de la vidéo, je parle et toi, en fait, t'arrives, tu casses la vitre alors que c'est chez non, toi. Non, non, bah non, bah non, c'est pas possible, non. Quoi? Bah non, on l'a déjà faite, celle-là, pour la vidéo d'Espèce Marine, rappelle-toi. Ah ouais, merde. Eh ouais. Bon bah écoute, pas d'intro, hein, ma foi, grève, hein. T'as carrément raison. Grève des intros, hein, y'en a marre maintenant. Qu'est-ce que c'est les grèves? Précédemment dans Darkness 2. Johnny Powell, you look like shit. You were supposed to be the expert. I paid you good money to help me figure things out, and you repaid me by skipping out in the middle of the night? For what? I need your help. So you're back on the payroll until I say you can go. Well, these two chuckleheads are getting their dicks spit-polished. One of the whores starts running her mouth about the new owners. I had this girl, Camille. She says the place got bought up last month. The new guys took over the top floor. Yeah, but that ain't the best part. Camille says she's seen some weird guy with a limp go in and out of the place. Says he looks like Nosferatu on crack. I know a girl named Venus. Sure, she can help you out. She's a real handful. Two of them, actually. The new owners are real pissy about the door. They don't let nobody bring a gun in. That's fine, because you probably want to learn as much as you can before you, you know, do your thing and scare the living shit out of them. This envelope, where did you say you got it again? Off some dead guy that was paid to kill me. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Must be Venus. I'm Jackie, Vinny's friend. Here, this is from Vinny. Nice. Now you go find these assholes and make sure you give them one for me. Shoot Quasimodo upside the head and put us all out of this fucking misery. Âme sensible, ne regardez pas. You've been keeping something that was once lost. Something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. I want the darkness. I'll get the darkness. Never! I'm done with you. Do not let them take me. Fuck you. I'm done being your puppet. You will do my bidding. Give me one good reason. Salut à tous, salut à toutes, c'est Kimi, et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 5 de The Darkness 2, toujours plus dark, et toujours plus sanglant, encore une fois. The Darkness 2, je rappelle, ça nous a été pondu par, encore une fois, par 2K Games, qui nous avait fait des années plus tôt Bioshock 1 et 2, et aussi Borderlands, par la même occasion. Et je rappelle que je suis actuellement en train de fuir un bordel en flammes, qui a été incendié par notre ami Victor, chef de la confrérie Dark... Dark, ouais, elle est dark, hein, elle est carrément dark. Et je dois m'enfuir avant de finir brûlé et pour aller sauver ma maison qui est actuellement en train d'être assiégée par ces connes de la confrérie. Voilà, donc c'est un peu le bordel. J'essaye un peu de trouver mon chemin comme je peux. Une échelle, ça doit être par là. Allez vite. Ah oui, je tiens aussi à préciser à ceux qui me... Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de mettre les voix en français. Et ces personnes-là, petit 1, je vais m'excuser et leur dire non. Et petit 2, ils vont me demander pourquoi. Écoutez, je vous invite à aller voir ce que donnent les voix en français. J'ai été mauvaise langue quand j'ai dit que c'était naze. C'est pas naze, mais vous verrez que par rapport aux voix anglaises, il n'y a pas photo. Les voix originales, la VO est vachement plus cool. Non, j'ai la nuée. Donc voilà, je suis désolé pour ceux qui voulaient vraiment avoir les voix en français. Écoutez, les sous-titres, je pense, sont assez bien lisibles pour le coup. Donc je suis désolé, mais c'est non.
verrez, on s'y habitue vite. Donc les membres de la confrérie essayent encore une fois de me retarder, ces vilains bonhommes. On va voir ce qu'ils vont voir. Là je n'ai plus d'armes, hein. Ils m'ont tout enlevé en me crucifiant, ces bâtards. J'arrête d'être vulgaire, moi. On commence à se chier dessus, hein, les gars. Bon, cette partie sera un petit peu moins longue que les autres, hein. Je vais me contenter de faire du bordel et arriver chez moi. Parce que si je fais toute la partie chez moi, ça va être très très long. Donc voilà. Bah c'est la fin de la vidéo, non je plaisante. Et voilà, ils ont pris le manoir. Bon, je vais aller rejoindre mes potes avant que le manoir ne finisse en flammes. Ce serait con quand même, hein, une si belle baraque. Shut up. Bien vu ça. Toi tu vas voir. Le mec il dit so wonderful, le mec aime ça quoi. Maintenant c'est vrai que la confrérie ils sont tous allumés. Hein. Oh ça c'est cool ça. Ouh le ralenti. Toi aussi. Allez les gars, c'est chacun son tour, venez approcher. Ah! Ah! J'en prends plein les fesses. Non, je voulais faire un truc, un saut à la Mirror's Edge là, mais j'ai pas réussi. Ah bah tiens, c'est reparti, poule! Oh le bug. On dirait un truc à la Garry's Mod là. Ah bah voilà, enfin l'UMP. Ouais, je vais tester cette canalisation des armes. J'aurais fait mal en tout cas. Le cobra, génial. Ça c'est parfait. Je sais pas où est la lumière par contre. C'est... Oh putain. Je vais péter celle-là. La nuée va bien m'aider sur le coup, comme d'hab en fait. Toi, bon bah je vais commencer par vous les gars. Putain, je me fais allumer sévère là. De manière assez monumentale. Faut vite que je trouve un cœur à bouffer. Toi. Non, vite, vite. Oui. Ça c'était plutôt joli. Allez, oh putain des bonbonnes. Ah, je pourrais pas le choper. Je vais avoir headshot lui. Ça sera pas un headshot mais je l'ai eu quand même. Oh putain. Allez toi. Allez bim. Et le double cobra en plus. Non, si. Si ouais si double cobra. Mais il est où? Voilà. Aïe putain j'aime pas ça. Il y a une lumière. Hein, la canalisation des armes. Allez. Je vous bouffais son cœur. Vas-y, là, c'est de l'arnaque. Et moi, je demande remboursement. Hein. Ah, voilà. J'arrive. There was this priest that used to come around the orphanage, Father Alonso. Yeah, I know what you're thinking, and it ain't that kind of story. Pédophile. Anyway,
Must have been about 1,000 years old or something. Real fire and brimstone type of guy. Used to tell us kids that hell wasn't some bullshit story they made up to keep us in line. It was fucking real. A fucked up place. Where all the deadbeats, hookers, dealers, and junkies all ended up. And if we weren't careful, that's exactly where we were gonna go. Fuck. If only it were that easy. Allez, donc comme je vous ai dit, je vais faire cette partie-là, donc la partie du garage. Et au moment où j'arriverai chez moi, je vais arrêter. Allez! Ah bah ils m'attendent déjà eux. Eux ils sont comme ça dans leur... Ah bah non, je pourrais pas lancer le Darkling. Par contre, je vais essayer de virer cette... Ah, voilà. Allez, c'est parti! Ils auraient pu me figuer des armes. Attention, le contournement de situation. Alors, que vais-je acheter? Tiens, allez. Les objets qui explosent. C'est pas mal, ça. Ça fera un joli... Un joli feu d'artifice. Allez, coupe-le. Bah, voilà. Heureusement que j'ai vu ça, sinon je serais mort comme une merde en voulant arracher la porte. Oups, je me suis raté. Ça aussi, ça, y avait long... Putain, mais... Ah, c'est tout. Allez. Oh putain, je vais me prendre la lumière en plein la gueule. T'es deck parce que ça m'a rien fait, toi t'es où? Il est où le mec qui m'a... Allez! Bon, Ah! Ça c'est bon ça. Ça c'est la classe. En fait c'est pas la classe, c'est horrible. Allez tiens. Il en reste plus rien du mec. Oh oh. Une voiture. Normalement on peut l'éviter cette voiture, hein, je tiens à le dire, mais là je sais pas pourquoi j'ai eu... Je voulais voir ce que ça faisait. La première fois que j'avais joué au jeu, je l'avais évité. Et c'est pas une bêtise là. Le mec est capable de tenir une UMP plutôt, et un micro Uzi dans la même main. Qu'est-ce qu'il est fort? Ces mecs-là, je les aime pas, là. Merde. Putain, je peux pas passer loin, là. Je vais me soigner. Ah, désolé, hein. C'est qui me... Oh, putain. Allez. Encore les mêmes connards. Mouhaha, achèvement. Allez, cadeau. Gentil, sauf ton pote. Et je te tranche avec une porte en plus. Enfin, une portière. Allez, go ascenseur. Oh non! Tiens, c'est l'autre là. Dolfo. Non! Fucks when I'm done with them.
You better head upstairs, boss. I got you covered down here. I ain't bleeding that bad. The elevator's coming down. Don't let anyone out of here, Jackie! Jackie, it's me, Vinny! Don't shoot! Jesus Christ, boss. It's a real shit show up there. Your Aunt Sarah's hiding out in your panic room. We gotta get up there. Right now! You guys get upstairs. I'll hold the fort down here. Hey, Jackie! Best day of the week so far! Ok. Bon, et ben, je vais arrêter la vidéo ici. Donc en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais juste acheter... deux trois trucs, là, ici. Comme par exemple des nouveaux achèvements. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime si la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer la suite des prochaines vidéos. Du walkthrough, en l'occurrence. Donc que je vais surtout consacrer à ça en ce moment. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que mes vidéos tournent un petit peu. Pour ceux qui aiment bien The Darkness 2, qui aimeraient voir un walkthrough. Et donc voilà. Merci encore une fois. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Ouais, mais on peut plus continuer comme ça. Je veux dire, on peut plus se permettre de balancer des trucs. Comme ça, ça peut plus durer, sincèrement. Ouais, t'as raison. Pour cet outro, faut qu'on trouve quelque chose qui innove. Ouais, ouais. Quelque chose qu'on n'aura jamais fait. Ouais, ouais, carrément. Quelque chose que personne n'aura jamais fait. Ouais, mais tu penses à quoi? Ça va?